Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant hippique pour les radios LACES.fr, Radio RDC.fr, Radio Dani, Radio Agora, Radio Payocitanie et Radio Puissance Max. Donc pour notre lundi 7 décembre, notre KTO aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes, dans la Réunion 1, course 1, sur la distance de 2100 mètres. Départ donné avec l'aide de l'Autostar, c'est toujours très important, départ avec l'aide de l'Autostar, suivant les places de position. Bien sûr, vous savez, hein, les turfistes chevronnés le savent, donc voilà. Alors, au départ de ma sélection, il y a 4 bonnes bases. Et après, pour terminer ma sélection, j'ai pris un cheval qui sera passé certainement le cheval de tout le monde. Mais on ne sait jamais. J'ai placé en tête de ma sélection le 2 Danae de Corbery. Mon cheval du jour pour ce KT. Elle n'est pas mal du tout en ce moment. Son engagement pour cette course est idéal. Tous les feux sont ouverts. Enfin, le coup, bien sûr. Hein, un accident à ce niveau-là est vite arrivé aussi. Le 7 Domingo Della, mon opposition directe à mon cheval du jour. Très régulier, c'est un très bon point d'appui aussi, je fonce. Le 4, Dorado Bello avec Eric Raffin, ma troisième base pour cette épreuve. Encore une fois, une très très belle performance étant vue pour ce cheval. Donc, bonne place aussi, voilà, voire même peut-être la gagne, on ne sait jamais. Le podium, je crois, je pense, dans le KT, il ne devrait pas sortir du tout du KT. Le 11 de la Chenevière, ma quatrième base, elle est très régulière. Sa place est aussi largement dans le KT. Le 8, Diplomate d'AM. Il est nickel en ce moment et je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait en si bon chemin. Donc voilà, encore une belle performance pour ce cheval. Donc là, avant le coup, on a 5 bonnes bases. Le 2, le 7, le 4, le 11 et le 8. Après, savoir à quelle place ils vont arriver, nous ne sommes pas Madame Soleil, donc évidemment, hein, voilà. Ensuite, mon 6e cheval sera le 12. César Maggi, lui, peut venir jouer les troubles faites dans ce KT pour une 4e, 5e place, pourquoi pas. Le 1, Charme Créole, ce sera mon coup de folie pour ce KT, peut venir faire afficher une cote sympa pour une, lui aussi 4e, 5e place. Alors, je termine par ma sélection par un cheval qui ne sera pas le cheval de tout le monde. On ne sait jamais. J'ai eu beaucoup de regrets pour faire cette sélection pour notre lundi 7 décembre. Mais vous savez, il faut bien choisir. Les courses hippiques, ce n'est pas si évident que ça à trouver. Alors, j'ai mis en 8e base, en 8e position plutôt, le 5, Cagnard de béton. Et oui, ce sera mon coup de poker pour ce quartier. Je me répète, pas le cheval de tout le monde dans une sélection, mais il peut venir faire afficher une cote, pourquoi pas, sympa avec ce KT qui est loin d'être évident à trouver, mes amis. En cas de non partant, le 9 qui sera mon très très gros regret. Pareil, hein, vous montez la petite ficelle. Alors, mon cheval du jour, le 2, mes deux bases, 2, 7. Mon coup de cœur, le 8. Mon coup de folie, le 1. Mon coup de poker, le 5. Mes 2 sur 4, 2, 7, 4. Des couplets gagnants placés, le 2, le 7, le 4 et le 11. Je répète ma sélection. Le 2, le 7, le 4, le 11, le 8, le 12, le 1 et le 5. Voilà mes amis, c'en est terminé pour le KT de notre lundi de début de semaine. On va voir de ce côté-là. C'est vrai que bon, en ce moment, les arrivées ne sont pas top top. Mais c'est comme ça, ce sont des courses, il faut savoir faire avec. Donc écoutez mon pronostic sur la radio LACES.fr, la radio RDC.fr tous les jours de la semaine, bien sûr. Allez faire un tour également sur les autres sites partenaires de mes radios le jour de la semaine. Également retrouver mon pronostic détaillé sur radiopapyrusturf.com. Ma dernière minute est mise également tous les jours de la semaine exclusivement sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Donc si vous voulez retrouver mes amis ma vidéo et ma dernière minute sur ma chaîne YouTube, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ceux qui le souhaitent, hein, il n'y a pas de souci. De toute manière, il va arriver plein de choses intéressantes sur ma chaîne YouTube dans un avenir très très proche. Ben, il suffit déjà de faire un petit j'aime sur le pouce, au cas où. Hein. Ensuite, ben, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ne pas oublier de faire la petite cloche de notification si vous voulez recevoir mes
mes vidéos, voilà. Et sachez que mes vidéos pour le pronostic hippique est mis à chaque fois la veille de la course. Voilà. Donc, sur ce, je fais une petite parenthèse très très brève sur le KT de notre samedi. Aujourd'hui, à l'heure de la vidéo, je ne sais pas ce que ça va être le KT de notre dimanche. J'en parlerai tout à l'heure. Je donne le tiercé dans l'ordre. Mes deux bases sont arrivées. Couple de gagnants passé, également à 2 sur 4. Je donne quand même le quintet, étant donné que le 5 était non partant, oui, à l'heure de la vidéo, je ne le savais pas. Mais celui-là, comme d'habitude, vous savez, comme je fais, même si je donne le quintet dans des ordres dans mon blog, je ne le compterai pas dans mes statistiques, ce qui est normal, ce qui est logique. Sur ce, mes amis, je vous dis, portez-vous bien, faites toujours attention avec le Covid, il est toujours dans le secteur, si vous voulez passer de très bonnes fêtes de Noël, bien sûr. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Avec le squal, l'en soi, le pharaon des courses.